maintenant, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta vie. As you can see, our team is I'm coming soon. Stand firm so no one can take your crown. Je vous en prie, je ne serai pas très éloquent comme notre pasteur parce que je ne suis pas pasteur. I'm pleading with you, I might not be eloquent like our pastor because I'm not a pastor. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur a quelque chose à dire ce matin. What I know is that the Lord has something to say this morning. Notre texte est de Apocalypse, le chapitre 3. We are going to read from Revelation chapter 3, le verset 6 à 11. Verse 7 to the 11. Ce passage. And to the angel of the church of Philadelphia write, these things says he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. Indeed, I will make those of the synagogue of Satan, who say they are Jews and are not, but lie. Indeed, I will make them come and worship before your feet, and to know that I have loved you. Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world, to test those who dwell on the earth. Amen. Alléluia. Verse 11. Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. Amen. Amen. Je dis que notre thème nous dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. I say our thing is, behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. Ce message a été communiqué à l'église de Philadelphie. Oh, this message was communicated to the church of Philadelphia. L'église de Philadelphie se trouve parmi les sept églises à qui le Seigneur a adressé une lettre. The church of Philadelphia was among the seven churches to which the Lord sent a letter. Et parmi ces sept églises, c'est la seule église à qui le Seigneur a adressé des mots de félicitation. And among all those churches, this is the only church to whom the Lord has sent a word of encouragement. Maintenant, nous allons voir dans notre message, je serai très bref, nous allons voir les qualificatifs qui ont fait que le Seigneur a apprécié ou bien a adressé les mots à l'église de Philadelphie. Now we are going to see all that made this church qualified for word of congratulation from the Lord. Quand nous examinons bien le passage que nous venons de lire, when we look in the word the passage just read, le verset 8 nous dit que les chrétiens de Philadelphie ont gardé ma la parole dit qu'ils ont gardé ma parole. God in the word says they have kept my word. Nous savons que si le Seigneur Jésus a dit que les gens de Philadelphie ont gardé sa parole, we know if the Lord Jesus said the church of Philadelphia has kept his word. C'est vrai. It is true. Parce que notre Seigneur ne ment pas. Because our Lord doesn't lie. Et ce qu'il dit, ce qu'il a sur toi, il te le communique. Or what he has about you, he will say it to you. Nous le voyons par les autres églises à qui le Seigneur a adressé ses lettres. Or we can see it on the other churches the Lord sent a letter. Comment nous aussi aujourd'hui nous pouvons garder la parole de Dieu? How can we keep the
Dieu en méditant sa parole. We can keep the word of God by meditating upon his word. Nous allons garder la parole de Dieu en lisant la parole. We can keep the word of God by reading the word of God. Nous allons garder la parole de Dieu en écoutant les prédications. We can keep the word of God in us by listening to preaching. Si nous ne donnons pas à nous-mêmes le temps de lire la parole de Dieu, if we don't take time to read the word of God, de connaître la parole de Dieu, to know the word of God, comment est-ce que nous pouvons la garder? How are we going to be able to keep it? Donc, ce matin, this morning, à ce jour de la journée des femmes, on this Mother's Day, je vous invite, nous nous invitons. We are inviting you and we are inviting ourselves à donner du temps à la parole de Dieu. To give time to the word of God. Je sais que nous n'avons pas de temps. I know we don't have much time. Nous courons. We are running. Mais si nous sommes disciplinés, but if you are disciplined, si nous disons que je vais trouver un temps, nous avons la time. If you say to yourself, I'm going to find a time, you will find a time. C'est une décision à prendre. It is a decision to make. Sans cette qualification, without this qualification, le Seigneur ne pourrait pas nous encourager, ne pourrait pas nous aider. The Lord cannot congratulate us. Amen. Amen. La deuxième chose que le Seigneur a appréciée, the second thing the Lord has appreciated concernant l'église de Philadelphie, about the church of Philadelphia, c'est qu'ils ont été loyaux à la personne de Christ. And it's because they remain loyal to the person of Christ. Cette église traversait des situations difficiles. This church was going through difficult moments. Mais ils n'ont pas renié la personne de Christ. But they did not deny the person of Christ. J'aimerais demander ce matin, I'm going to ask this morning, quelle est la situation que tu traverses? What is the situation you are going through? Quels sont les problèmes qui te pressent? What are the problems that are pressing you? Il faut que tu pointes là, tu es sur le point de renier la foi que tu as. What are the problems that are weighing on you so much that you are about to deny your faith? J'aimerais te dire, I'm going to tell you that the church of Philadelphia went through a difficult moment. But they did not deny Christ. Time will be difficult always. What happened in the old days, the problem they have suffered, nous aussi aujourd'hui, nous vivons cette situation. We are also facing those situations today. Mais peut-être d'une manière différente. Maybe in another way. Mais j'aimerais t'encourager ce matin. But I would like to encourage you this morning. Quel que soit ton problème, regardless of your problem, quel que soit tes difficultés, regardless of your difficulties, peut-être que tu peux me donner des explications. Maybe you'll be able to give me some explanations. Et moi, je peux dire, oh, si c'est comme ça, donc, tu as raison. And I might be able to say, oh, okay, that's what it is, then you are right. Mais la vérité, c'est que nous ne pouvons pas donner des explications au Seigneur. But the truth is, we cannot give explanations to the Lord. Si les gens ont passé par des situations, if people went through situations, et ils sont venus, faire, and it's too fast. Ils n'ont pas renié la foi. They did not deny their faith. Ce n'est pas toi qui va donner un argument pour t'expliquer. It's not you that's going to give a reason to God. J'ai écouté un prédicateur un jour. I listened to a preacher one day. Et ce prédicateur me disait que un jour, les gens disent souvent que quand je vais au ciel, je vais demander à Dieu, je vais expliquer à Dieu. The preacher was saying that people always say, if I go to heaven, I'm going to ask God this, I'm going to say this to God. Mais la vérité est que tu n'auras même pas le temps de le dire. But the truth is, you will not even have time to say anything. Et si tu as l'opportunité de le dire, and even if you have the opportunity to say something, quelqu'un d'autre va te compter pour te dire que j'ai traversé cette situation, mais je suis sorti vainqueur. Somebody else will stand and tell you, I've been through the same thing, but I came out victorious.
même, tu sais ce que tu fais et Christ aujourd'hui, parce que rien te dit que tu m'as renié. You know, you yourself, you know what you are doing, and that will make Christ to say you have denied me. Si nous voyons l'exemple de Pierre, if we take the example of Peter, Pierre n'a pas fait grand chose. Peter did not do much. Mais il a seulement dit que à la tête, à la dame, je ne connais pas ce monsieur. He only said to the lady, you know what, I don't know that man. Et Jésus lui a dit que Pierre, tu m'as renié. And Jesus told him, you have denied me, Peter. Peut-être que toi aussi, tu fais quelque chose. Maybe you are doing something. Ou bien c'est quelqu'un qui t'a demandé une question, qui a demandé quelque chose, c'est vous qui faites ceci, qui faites ceci, et tu vas dire que moi, je veux. Maybe somebody just asks you, you are not the people who do this, who do that, and you say, you know what, I don't even know these people. Et Dieu vous dit que si nous avons honte de lui, the Lord said, if we are ashamed of him, devant les hommes, before men, lui aussi, il aura honte de nous, devant les anges, et devant son père. And he also will be ashamed of us before God and the angels. Si nous venions, if we deny Christ, donc Christ aussi va nous renier. Christ will also deny us. Donc, nous vous invitons ce matin. We are inviting you this morning. À ce que nous veillons sur notre vie. To watch over our lives. Nous veillons sur nos paroles. To watch over our words. Nous veillons sur nos actes. And watch over our actions. Pour que de nos actes. Let no or none of our actions. Ne soit des paroles et des actes qui viennent Christ. And let not action coming from us be an action that will deny Christ. La troisième chose que le Seigneur a trouvée chez les gens de Philadelphie, c'est qu'ils sont persévérants. The third thing the Lord has found in the church of Philadelphia is that they persevere. Si on parle de persévérance, if we talk about perseverance, it means things are tough. Si les choses vont sous la roulette, if things are going well, on ne peut pas prononcer le mot persévérance. You cannot talk about perseverance. Donc si le Seigneur vous demande de persévérer, if the Lord is asking us to persevere, ça veut dire que les situations seront difficiles. It means situations might be difficult. Nous voyons l'exemple des athlètes. We see the runner, the athlete. Il n'y a aucun athlète courant si la personne n'a pas franchi la ligne d'arrivée. There's no athlete or there's no runner that receives the crown unless they go cross the finish line. Et avant que tu ne franchisses cette ligne d'arrivée, and before you cross the finish line, il te faut la persévérance. You must persevere. Si tu as une fois fait la course, donc tu vas comprendre. If you have run a marathon, you will understand. Lorsque tu serais à quelques mètres de la ligne d'arrivée, c'est en ce moment même que tu sens la fatigue. While you are nearing the finish line, that's when you feel more tired. Mais si tu n'as pas fait l'effort pour franchir cette ligne d'arrivée, tu n'auras pas la couronne. But if you do not persevere to cross the finish line, you will not get the crown. Mais fais de faire les temps.
les mots de félicitation comme il a adressé à l'église de Philadelphie. Is that the Lord tells us the congratulations as he did to the church of Philadelphia? Puisque nous tenions